grosse tempête, hein. J'ai que 17 degrés dans l'appartement. Il y a les tuiles du toit qui se soulèvent avec le vent. Vous entendez le vent? Et là, la pluie, elle est de... La pluie est de face. Elle vient de par là, je crois. J'ai peur des dégâts qu'on peut avoir. Là, la pluie, si j'ouvre, peut-être que ça va rentrer, je sais pas. Ah ouais, ouais. Non, elle est de face comme ça, de ce côté-là. Donc elle est de biais du côté de la chambre. Regardez, regarde. Ça rentre. Ouais. Là, c'est carrément la pluie qui rentre dans la maison. Vous entendez le vent? Grosse tempête, c'est dangereux, hein. Moi, si je peux aller au boulanger, ça serait déjà pas mal, parce qu'au magasin avec le caddie, c'est pas possible. C'est trop dangereux, le caddie, s'il est plein. Je vais avoir le vent dans le dos, là, peut-être, ça dépend. Non, non, pas dans le dos. On tourne comme ça. De biais, donc ça va pas, non, non. Puis là où je passe, il y a des pots de fleurs, j'ai pas envie de me prendre sur la gueule. Voilà. Très dangereux. Je vais survivre en allant au boulanger, hein. Ah, c'est tout, parce que là, ça fait 8 jours que j'ai pas bouffé. Hein. Ah bah j'ai perdu quelques kilos, hein, ça c'est obligé. Comme ça, bah, je repère la graisse que j'ai fait en mangeant quelques petites friandises, mais bon. Hein. C'est pas péché que de manger quelques petites friandises, hein, de se faire plaisir. Bah entre le fromage et puis le chocolat, bah ouais. Puis les biscuits pour déjeuner, ouais, les trucs au flocon d'avoine là, et tout ça, là, enfin je sais plus quoi. Flocons de riz, là, je sais plus quoi. Avec du chocolat au milieu, ouais. Des trucs bio. Mais bon, on va savoir est-ce que le bio est vraiment meilleur. On sait pas. À ce qui paraît, c'est pas meilleur. Voilà. Je vous montre, hein, en direct, hein. Voilà. Bon, je vais fermer parce que je vais me prendre tout dans la gueule, là. Il y a les trucs qui rentrent. Il y a un autre truc qui est passé, là, c'était pas une goutte d'eau. Hein. J'ai peur pour le toit. Hein. J'ai peur que grenier, il y ait des dégâts. Hein. Voilà. Vous avez vu, les amis. Que je vous montre combien que... Bah, je mens pas. Hein. Je mens pas. Merde. Dominique, fais attention, j'ai mis la caisse au papier, là, ici. Bah, je suis en train de déplacer tout et je suis en train de réfléchir pour ranger le mieux possible. Pour avoir plus de place et ranger autrement. Non, je vous montre pas parce que là on voit vraiment tout le bordel là. Ah bah j'ai retiré les trucs, j'ai déplacé les cartons. C'est pas que j'ai honte, mais bon, il y en a qui m'ont critiqué encore. Mais je suis en chantier. Hein. J'ai plus de meubles pour ranger, donc tout est dans des cartons, alors je suis emmerdé. Enfin bon, il y a pire, hein. Il y en a qui ont plus de toit. Pour l'instant, mon toit, il est pas arraché, mais. J'ai senti les trucs qu'on soulevait. Hein. Je suis sûre que la porte avec le vent elle s'est ouverte en bas. Là, je ne pourrais pas accuser la voisine, elle n'est pas là. Ne pas avoir fermé. Hein. Non, je ne peux pas, c'est trop dangereux hein, d'aller faire des courses au magasin avec le caddie. Hein. Non, 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 le vent va pousser le caddie, je vais t'emporter. Et puis, comme je dis, sur mon parcours, il y a les échafaudages. Il y a les échafaudages, ils sont en train de rénover des maisons. Ah, il y a eu pas mal de... Il y a des personnes qui sont mortes là-dedans. Alors, en plus, heureux, hein. Et puis, ils sont en train de rénover. Bah ouais, les gens... si c'est des propriétaires, ils font rénover tout. Moi, mon propriétaire, il n'a jamais fait rien. Donc, il est mort, hein, enterré. Ses descendants, son fils, et puis c'est... Je sais pas s'il y a une fille ou une cousine, j'en sais rien. En tout cas, ils sont trois. Trois avoir hérité de tout ça. Donc, ils sont en Amérique, ils n'ont rien à péter. Hein. Ils vont pas se faire chier. Hein. C'est tout. C'est ainsi. Une petite vidéo courte. Puis voilà. Je vous dis à tout bientôt.